Bonjour. Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous montrer comment changer l'image d'un icône par une image ou une photo que vous avez sur votre PC. Alors pour cela, vous allez sur Google et vous tapez iconvertis. Et vous cliquez sur le premier lien. Hein, c'est iconverticon.com. Ici, vous cliquez ici afin de rechercher l'image. Là, voilà. Et vous cliquez ici afin de la convertir. Je rappelle que vous pouvez changer l'icône d'un logiciel. Moi, je le fais sur le raccourci de la page internet de NetProf. Voilà. Donc là, vous pouvez le télécharger pour Mac, Windows ou Linux. Donc je télécharge pour Windows. Vous l'enregistrez. Voilà, je l'ai ici. Maintenant, je voudrais la mettre à la place ici. Donc, je fais un clic droit dessus, propriété, changer d'icône. Et là, vous parcourez votre ordinateur afin de retrouver l'icône que vous venez de faire. Vous cliquez sur OK. Appliquer. OK. Et vous allez voir qu'il va se mettre comme ça. Voilà. Bien sûr, j'aurais pu faire une autre image pour, par exemple, le logiciel Windows Live Messenger. Je vous le montre. Reclic droit, propriété. Changer d'icône, parcourir. Et je remets le même, hein, c'est juste pour vous montrer. OK. Et là, j'applique et OK. Et vous allez voir que même le logiciel Windows Live se changera en l'icône. Voilà. À bientôt sur netprof.fr.